Bonjour, comme bien des personnes, vous avez un four moderne et vous ne savez pas comment faire pour démonter les fenêtres des portes des fours pour les nettoyer. Alors en fait c'est très simple. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir votre four. Allez sur les charnières qui permettent à votre four de s'ouvrir et de se fermer. Décrochez, vous voyez. Là, c'est comme ça. Avec un petit tournevis plat, on défait une petite charnière qui sont faites exprès. On fait pareil de l'autre côté. On vient positionner les charnières sur la petite butée ici. Ah, par contre... Ensuite, on vient juste tirer dessus. Voilà. Et voilà, votre porte de four est défaite. Ensuite, avec un deuxième tournevis, on vient défaire les vis qu'il y a sur les côtés. Alors cherchez, hein, ça peut, c'est pas, suivant le four, ça peut être dans différents endroits. Le capot, et là vous allez voir la petite pareille est mise comme ça, vous la défaites avec les pouces, pareil de l'autre côté, et vous pouvez enlever la plaque et la nettoyer. Ici vous pouvez la nettoyer directement sans la défaire, et de l'autre côté pareil. Donc alors on fait comment là? Monter toutes les vitres à l'intérieur, et afin de remettre sur la porte, voici comment procéder. Venez remettre votre porte dans les crochets initiales, ouvrez un petit peu votre porte, remettez les crochets, alors on va essayer, voilà, remettez les crochets qu'on avait enlevés au préalable au départ. Voilà, essayez votre porte et voilà, votre porte est remise et propre. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. À bientôt pour de nouvelles vidéos.